Dominique, donc qu'est-ce que tu confectionnes de bon pour ce midi? Je fais revenir du poulet et je fais des petits légumes à côté. Façon, on va dire thaï. Souvent, je me réveille et je me demande ce qu'on va manger, ce que je vais faire. Donc, c'est quand je suis encore couchée que je réfléchis à ce qu'on va manger. Et après, je vais chercher dans le congélateur et dans la cale avant ce dont j'ai besoin. Alors, si c'est congelé, il faut que je m'y prenne plutôt la veille. C'est au départ, en fait, qu'on a fait des calculs savants pour connaître les proportions qu'il nous fallait, enfin, les quantités qu'il nous fallait pendant 6 mois. Et ensuite, on a calculé, je sais pas, par exemple, qu'on mangerait du poisson 2 fois par semaine, donc on essaye de s'y tenir, de la viande rouge 2 fois par semaine, etc., etc. Donc, on gère les stocks comme ça. Je fais donc le pain. Je fais à peu près 3 kg de pain par jour. Quand il est bien frais, il part vite. Donc, à la limite, s'il sèche un petit peu, c'est pas plus mal. Généralement, je fais 1 à 2 gâteaux par jour. Et puis, le repas du midi, le repas du soir. Le petit déjeuner, je le prépare. Alors, je ne fais pas vraiment de petit déjeuner dans le sens où c'est toujours un peu la même chose. Je fais du porridge quand même tous les matins. C'est aussi un plaisir. Moi, ça me fait plaisir de faire plaisir. Je vois bien que tout le monde aime bien, donc c'est plutôt agréable.